Il a porté le maillot jaune dans sa jeunesse. Xavier Gravelaine serre la main de Patrice Loco. Dernière rencontre du mois d'octobre. Le SCNA joue sans Jean-Michel Ferry. Encore un public présent, 28 000 personnes dans le stade nantais. Pedros, Pignol, centre de Pignol, tête décroisée de Nicolas Houellec. Carambeu, une première fois, Koué, Pedros sans contrôle, couronne de Ram, sans contrôle, Houellec, Nantes mène 1-0. Wenzel abattu, tout cela s'est joué comme à l'entraînement. Une superbe frappe de l'avant-centre nantais. Makelele à la demi-heure de jeu, faute de Régis dans la surface de réparation. Antoine de Pandis siffle le pénalty pour Georgeo. Il n'y a pas de discussion possible. Régis accroche le maillot de Claude Makelele. Pénalty tiré et transformé par Houellec. Deuxième but de sa soirée. Superbe plat du pied. C'est la mi-temps. Jean-René Toumelin, le président de l'association FC Nantes, encourage les Canaries. Enderam obtient un corner. Corner tiré par Pedros. Makelele et but! But surprise! A-t-il voulu centrer? A-t-il voulu marquer? Seul lui connaît la réponse. Swodo déchaîné sur le banc. Demandez l'addition. Et David Marot embrasse le coin du filet où a atterri le ballon. L'état de grâce de l'été s'est prolongé durant tout cet automne.